Bah, nous, on accueille les gens et puis on les dirige dans le salon et puis on les guide dans les différents secteurs. On est les organisateurs de cet événement. Ça se passe bien pour l'instant ? Oui, pour l'instant, oui. C'est un salon pour les universités et les écoles après voilà, post-bac. Il y a combien de jeunes qui vont venir aujourd'hui ? On attend jusqu'à un pic de 500 élèves à peu près. Tous des élèves en terminale ? Non, il y a aussi des premières. Et il y a aussi des BTS aussi, il y a aussi des BTS. Ce sont les élèves de Saint-Dié, de l'agglomération de Saint-Dié ? Ça oui, Saint-Dié. Ouais. Il y a Beaumont, Jules, Jacques-Augustin. Ouais. Les alentours aussi. Et il y a combien de participants alors ? 170 participants. Répartis en à peu près 70-80 stands à peu près. Et là, cette année, je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est secteur dans 6 mètres, enfin c'est vraiment dans le coin et je trouve que c'est assez sympa quoi. L'industrie propose de l'emploi, propose des emplois intéressants avec des rémunérations motivantes et des perspectives de carrière. Donc vive la papeterie et rejoignez-nous. Hein. Vous en attendez quoi de cette manifestation ? Bah, c'est une manifestation que nous organisons depuis 13 ans maintenant, c'est la 13e fois, puisque pour les élèves de terminale, l'orientation arrive, l'orientation post-bac, avec le site admission post-bac qui a ouvert le 20 janvier, donc c'est une date stratégique où ils peuvent rencontrer toutes les écoles, les IUT, toutes les formations pour leur carrière future. Vous avez votre bac pro, vous allez faire en un an le CAP tailleur de pierre. Il n'y a pratiquement pas d'enseignement général, c'est que de l'atelier. Mais c'est très demandeur, c'est très demandeur. Oui, j'ai trouvé des informations. Sur quoi ? Pour la marine dans l'armée. J'ai trouvé des informations sur le BTS logistique à Épinal. Ça va, franchement, ils expliquent bien. Bah, pas trop, j'ai fait un peu le tour et après je réfléchirai moi de mon coin pour voir. Je comparerai tout un petit peu sur internet et tout ça. Est-ce qu'il y a des filières de l'IUT qui marchent mieux que d'autres ? Ah, moi je suis plus là pour représenter le métier du multimédia et de l'internet. Mais bon, les étudiants semblent intéressés par les trois domaines, informatique, génie électrique et informatique industrielle, et puis métier du multimédia et de l'internet. On a été voir chez l'Estoépat et puis... fac de sciences de Nancy. J'ai réussi à pas mal me renseigner pour ce que je voulais faire plus tard, vu que j'allais en médecine. Et j'ai quand même découvert qu'on pouvait avoir du tutorat, donc c'est quand même assez valorisant. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, alors vous avez trouvé ? Bah, plus vers la gendarmerie. Si vraiment la gendarmerie, je peux pas y aller, c'est plus vers l'armée de terre, armée de l'air, la marine. Oui, en fonction donc, de la réussite au test de sélection ou au concours, on entre en école de gendarmerie sous le régime de l'internat avec des durées de scolarité différentes et on a plusieurs écoles de gendarmerie sur la France. Là, ce matin, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus vous voir. Oui, on a déjà eu une trentaine de contacts aujourd'hui pour des nouveaux recrutements totalement différents.